Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la suite de Survivor 2, donc le court-métrage zombie que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps, un petit teaser plus l'épisode 1 tout simplement. Donc si vous ne les avez pas vus, vous d'ailleurs, vous pourrez les retrouver dans ma playlist court-métrage. Et donc ça a été réalisé par la Dream Pictures Production. Moi, je fais un petit doublage dedans, donc vous pouvez entendre ma voix vite fait. Donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de la Dream Pictures Production. Et moi, sur ce, je vous laisse découvrir l'épisode. Salut à tous! On y est. Je peux savoir qui vous êtes? On veut juste de quoi se défendre une fois dehors. Ah, je suppose que ça dérange pas le proprio. Et où est-ce que vous allez? On va essayer de quitter la ville par l'autoroute. Les autoroutes sont bloquées par l'armée. Ils ne peuvent laisser sortir personne par là. J'ai entendu parler d'un point d'extraction à l'aéroport. C'est à l'autre bout de la ville. La situation pourrait se dégrader encore plus. Nous passerons par le centre-ville. On gagnera du temps. C'est pas une bonne idée. C'est le gros bordel dans le centre-ville. On va devoir contourner la ville. J'ai un véhicule devant. On y va. Est mort. On va devoir finir à pied, les ruelles sont moins dangereuses.
faire démarrer d'une fausse voiture. Attendez, vous entendez? Ce bordel, c'est quoi ces... Aide-moi. Vas-y, calme-toi, je vais trouver un moyen. Regarde ça. On s'occupe de lui. Faites-moi sortir. Non, regarde nos balles. Est-ce que là, il finira par crever tout seul? Vous pouvez avancer. Il est infecté. Troisième jour, là c'était la panique. Quand le gouvernement a commencé à comprendre que la cause des récents événements c'était un virus, ils n'ont pas tardé à tout boucler, toutes les sorties de la ville. C'est là que ça a commencé. Les uns après les autres, tous les morts se sont relevés et sont mis à nous attaquer de nous. L'armée a reçu l'ordre d'abattre toute personne cherchant à quitter la ville.